Alléluia. I'm saying Alléluia. Consa Alléluia. Yesterday I was saying Alléluia like that. I could not raise the right hand. When the guy said, he said, avec Pasteur Teacher Esti, Pasteur Wilkins, nous allons présenter tout à l'heure, et nous dérivés avant, et nous étions dirigés. And as I was leading, I was saying Alléluia, but I used only the left hand. So what happened the last day of my dad's visit to the doctor? The day before the papa went to the doctor, nous suspectons que la vie pourrait aller dans les mêmes. Parce qu'il y a un peu de monde qui est dans l'église, qui est dans le medical team, l'église qui advise nous, l'un doit venir dans l'hôpital, l'un doit faire un bagage pour lui. Et dans le dernier jour, ça m'a mené à l'hôpital, pas de rien, l'autre monde qui voulait assister, c'est pour te porter pour mener dans la machine. Nous avons chaise roulante pour lui, l'un y va, nous roulons chaise roulante dans notre hôpital, là c'est sous l'hébreté, l'un sorti, mettez la machine. Maintenant, l'un a montré la carte encore, moi pour mais pour elle, là, I'm carrying 154 pounds. Je n'ai pas aidé la chemical qu'on a à pull muscle right here. So, 2-3 days after, I felt good and I forgot about it. So, last week, Pasteur Mike m'a dit nous pour des événements. Parce que d'abord, il faut activité, pas manger dans l'église. Il a besoin de plus de transportation. Et pour moi, des événements, il faut me retirer chez eux. Pasteur Wilkins et moi, we took all the chairs out of the van, all the seats. Now, I swear, pendant que m'abdomi, moi, levé, tout est bien pas fou, you know, that happens. And as I was going to get out, my body said yes, but my right side said no. Moi, là, dit non, on va pas le côté. Moi, là, dit non, on va prêter là. Tellement la fait mal. Donc, tellement pour être la fait mal, de oublier à marcher chez le bed. You know, when you walk like that. And I was walking like that. So I could not do like that. I could not touch here. So, went in a pen. Donc, madame, moi, ça trop. Even in Galutter, the doctor, they gave me a shot, they gave me some pills to take, and now I can say hallelujah. Let's say hallelujah. Hallelujah. So, we go into our situation, as sister would say, on the last day of the month. Papa Muria Kabuyito, and probably in the funeral, they will give me time to speak to faith, not only the church, but everybody who took part. Parce que pour papa Muria Kabuyito, c'est pas moi-même seulement qui contribue là-dedans. Mais c'est l'église, c'est tout le monde qui a prié, c'est tout le monde qui a aidé, c'est tout le monde qui a supporté. Donc pour dériver dans l'ASA, c'est nous tous qui t'es contribué. Parce que mon maladie que nous vivons avec lui pendant 20 ans, c'est Alzheimer and there is something dementia, Alzheimer and dementia at the same time. Maladie ça, il va toujours, même toujours changer. Every day it takes part of your life, every day it takes something in your ability to function. Donc, nous gagnons une requête de prière. Requête de prière, c'est que depuis avant papa m'était mort, nous avons fait effort pour trois frères et sœurs qui habitaient Pétionville avec Puerto Plata ce domaine pour y venir. Ils sont allés dans l'ambassade le 21 avec le 23 octobre, ils n'ont pas permis qu'ils viennent. Et puis, en octobre 27, mon père est mort. Donc, moi, je voulais qu'ils viennent. Ils n'ont pas de capable de vivant, ils sont capables de vivre dans le cercueil. Mais après, quand même, il va voir. Papa mourir à 88 ans, il a rentré à 89 ans parce que deux jours de cela, c'était fête. Et nous avons planifié hier pour toute famille, sorti Canada, sorti Georgia, sorti New York, sorti Haïti, sorti Saint-Domingue, pour nous faire une fête pour lui. But you know, sometimes you don't get what you want. Don't you know that? Mais lorsque vous pas jeune sur rien, est-ce que vous découragez? Est-ce que vous avez vague? You do something else. You do what you can do. So, nous pas capable de gagner ça, mais nous capable de gagner l'autre qui n'est pas venu ou qui venir. So, it will happen by your prayers. So, a lot of people are asking me, what can I do? You can pray. You can pray for them to have the visa. You can pray for us to have the resources to do everything. That's all you can do. But now, we have so many people coming from Canada, from Florida, from New York, from everywhere. C'est pas tout le monde qui a vidéo, qui a capable de l'hôtel, n'est-ce pas vrai? Ou pas à l'autre côté de l'hôtel, nous allons chercher un côté pour descendre. So, if you ask me what to do, if you have a house, and then even an apartment, and you have a free room, and you have transportation, you can still see us. So after the service, we're going to see Sister Miriam, and then see Brother Arnold, Brother Reginald, and my brother-in-law, your husband, you are here. Now, where you have a family team, if you want to help in transportation, if you want to help in housing, you can see them. Ou à ma ronde, donner la carrière pour un jour, donner la carrière pour deux jours, et vous mener au enterrement, si on est à l'institut ou à l'institut avec eux. Donc, nous avons besoin d'aide dans ça. Because it would take too much money
shutting up and this thing, we're going to sit together to talk about that, and we're going to talk about the day of the funeral. Yeah, what original. And then we're going to sit to talk about that. Not part of the jour funeral à tout, parce qu'il y a tellement de monde, il faut être qui gère l'affaire logistique, la transportation, de façon que tout le bagaille est capable de bien passer. So we need your help. So we expect that everybody will help so that the church can show up strong that we are a united church. Amen. Roger. Je vais présenter nous, Pastor Wilkin Olesti, qui est avec nous depuis quelques jours, mais nous parle de présenter. Et lui regrette de ce que lui n'a pas de temps participer comme un membre dans Word of Life. Nous sommes des invités qui sont membres, et même Dr. Goumali, qui est ce qui a reposé l'application. Nous sommes non, avec moi. Mais c'est même pas là que Pastor Wilkin s'était dit tout. Livre aider, nous avons pris de façon. Que tu as aidé dans l'église, parce que les parents les commettent à la fin aux États-Unis, mais pendant que, avec nous, ils voulaient rejoindre nous et voulaient aider de toute façon capable. Pour avoir some of you know him, pour avoir some of you don't know him, but I'm going to give him the microphone, not for long, you know, pastors are going to give him the microphone, they don't give it back, don't you know that? Non, là, le microphone, non, parce que pas arrivé, mais la prière, vous l'avez arrivé, y'a même. Okay, good morning, church. Okay, as the pastor said, this is Pastor Wilkin Olesti from Polo Branch Haiti, and I'm here to visit the United States. But I've been traveling here, I've been visiting here the United States since 2012, understand? But maybe, as I just said, I'm here, I don't know for how long. So, bien content d'avoir nous. Very glad to be here because I feel home. So, congratulations because nous faisons bon choix, nous faisons bien choix. Et ceci est tellement vrai, l'église a tellement de puissance à l'âme. Pendant que je suis là, madame, oui, que mon Haïti dit, il m'a gros tête fait mal. Et puis pendant que je suis là, lui, c'est le camp, il a appuyé. Et puis il me dit, c'était pour moi, il me dit, qu'on y a là, service à la fête là. Qu'on y a là, c'est pour service à rentrer là, carrément côté Haïti. Est-ce qu'on est tout de suite après, même si ça m'a marché dans ma petite fille, tout de suite après, il dit, qu'on y a dit, moi, ça, mon Dieu fait. Ça veut dire, l'église a puissance pour Dieu. Soit tu es là, ou pas sentir puissance pour Dieu là, on est. Bon problème. Ça veut dire faut faire prier avant. Parce que depuis un pas pourtant, je suis posé sentir que c'est ce projet-là. Donc, félicitations. Et moi, je dis pas sur ça. Nous, on a ici tête en bas, moi, j'ai business, moi, bloqué. Donc, si quelqu'un qui passe là ici trop longtemps, je suis content de parler de OEA, All This English Academy. Donc, c'est moi-même, c'est pour moi, c'est mon propriétaire. Il y a quelques pas, from a few steps, a few steps from the wire, the airport crossroads, right? So, quelques pas de Viajuka. Et All This English Academy m'a enseigné l'année dernière, c'est surtout anglais, m'a enseigné grammaire anglaise, et m'a enseigné français tout, et on dit espagnol, on dit allemand, et puis moi, j'ai l'école biblique là-dedans. Donc, je ne dis pas sur ça, tellement senti que je suis dans l'église, moi, je suis professionnel dans la danse tout, je voulais aider les jeunes dans l'église à apprendre à danser. Et depuis hier, j'ai commencé avec le pasteur. Et ma côté jeune menacé. Et puis, mon qui est intéressé à français, ma vie de tout. Et grammaire, je ne pas trop fort dans le slang, mais je suis plus stable en Haïti. So, English, moi, les plus textbooks, right? Les plus standard, il pas tellement familier. So, grammaire, c'est bon, Dieu fait grâce, moi, j'ai un doctorat en grammaire anglaise. Donc, les gens qui veulent tout, qui veulent parler anglais, qui basent en cabaoul, même si pas fort, mais ça me connaît en partager d'abord. Donc, félicitations une fois de plus, et puis, je me sens bien avec moi, et vous faites bon choix. Bonne fin de journée dans le Seigneur. C'est là qu'on vit depuis plusieurs années. Fait qu'on vit Orlando. Et dans ce moment-là, dans le cas docteur, il dit bien cancer, stage 4. Et Orlando, pour contre, c'est très difficile, on va prier.
pour mon Dieu capable de faire grâce. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Ça c'est toi pour le répondre. Que la paix et la grâce de Dieu tout puissant soient avec vous. Amen. Criez victoire au nom de Jésus. Amen. Criez victoire au nom de Jésus. Amen. Fais mes yeux. Et fais prier ça pour ça, les anciens, ça va pas passer. Fais mes yeux et ouvre la foi. Seigneur, nous bénissons, nous bénissons. Merci pour grâce. Merci pour mon Dieu, papa. Que bagaille qui dépasse l'humanité. Que bagaille docteur, ou elle, mais il est possible pour faire une analyse qui est égale à lui-même. Mais comme même le grand docteur, à excellence, le premier et le dernier, bagaille est capable en bas puissance au Seigneur, soit contrôlé. En au nom de Jésus, que servant ça à l'instant même, pour toucher spécial pour lui. Côté lié, il y a. Par contre, côté lié, Seigneur, mais on met dans puissance au corps côté lié. Mais autant pour parler sur péché, parler sur la vie qui va avoir vivant, mais parler sur sang aussi avec les versets pour lui à la croix, pour la liberté, Seigneur, pour les capsules jusqu'à la mort, et que les versets en grâce au nom de Jésus, jusqu'à la gloire. Seigneur, nous merci pour grâce, merci pour mon Dieu, merci pour l'amour de la foi, Saint-Fils, Seigneur. Et maintenant, nous avons l'opportunité à travers le Père, à travers le Fils, à travers le Saint-Esprit, Seigneur, qui va nous rassembler pour la nourrir en esprit et en vérité. Tant pis, Seigneur, que quelques populations qui sont disponibles et disposées pour adorer, nous avons une grâce spéciale qui va passer pour nous, Seigneur. Parce que les débuts de la face de nous, nous devons faire un cadeau à terre, Seigneur. Tant pis, saisis le cœur, saisis l'âme, saisis l'esprit, Seigneur. Et anesthésie tout ça qui va appartient à nous-mêmes de la face. À nous de la gloire de la face. Nous venons aussi avec la vie, nous comme offrande volontaire, Seigneur. Nous te faisons au cas de la vie de la face. Et depuis lors, Seigneur, nous te voyons de la face. Nous prenons la vie, nous pour sanctifier. Nous mettons la part pour le de la face. Mais maintenant, Seigneur, ce n'est pas la vie nous devons la face. Mais c'est ça que nous devons nous, Seigneur. Pendant une semaine, mon Dieu, nous mettons l'enveloppe, Seigneur, nous portons le bas, nous parlons le ciel là. Ça qui vous recevoir, ça qui pitié de la force, recevoir, mon Dieu. Ça qui la sert, qui va gagner du tout, Seigneur, pour y approcher, pour y déposer, Seigneur, dans le panier, Seigneur, pour l'heure où nous allons avancer dans la force. Tant pis. Mais nous regardons spécial sur vous, Seigneur, afin que ça qui va travailler, Seigneur, ou pas au travail. Ça qui vient de travailler, c'est la santé, Seigneur. Tant pis, Seigneur, on va déverser santé spirituelle, santé charnelle, Seigneur, dans l'avenir passé, afin que, Seigneur, nous allons chemin pour le travail et les recevoir ça que vous parlez, mon Dieu. Nous allons retirer nos sympathies à part. Et chaque dimanche matin, Seigneur, nous allons monter par vous. Pour nous jeter grâce au nom de Jésus, même si le café qui a pris le bien au service des cieux. Continuez à parler avec nous. Moi-même, depuis vendredi, et le réveil après le travail, moi, j'ai commencé à venir hier soir, il y a un petit peu de petit pop, après le meilleur, après un seul coup. Mais continuez à parler avec nous pour la carrière aussi, ou à l'aise avec vous, partagez ça ensemble avec vous, et puis nous, pour nous casser aussi pour nous là. Combien de monde qui voit la chose là? Combien de monde qui voit ça? Et. Bon, bah, je ne vais pas partager avec vous, c'est beau, je ne vais pas réfléchir sur ça. Mais pendant que je prie pour les gens qui ne sont comme ça, dans la tête, je pense que c'est un millionnaire, je pense que c'est un monde qui charge comme. Mais bon, je révèle que c'est un monde pareil, nous, même avec nous, nous qui travaillons même avec nous, qui ne parlent ni business, qui ne parlent ni rien, son acte de foi. Son acte de foi. Mais bénis-nous, bon Dieu, pour révélation, ça m'a. Pour les hommes et tout, font effort, investir dans le travail, bon Dieu, et bon Dieu, on va perdre ça. Thank you.
qui cherché parce que nous besoin. Nous n'avons pas besoin même bien avec hier, mais nous besoin de l'autre façon, dans une autre dimension. Quittez-nous jouer, nous, Seigneur. Pas cacher face pour nous, Seigneur. Pas cacher face pour nous, adorables. Permettez que nous cachions nous. Et nous associons pour nous renouveler. Seigneur, péché, envahis-nous. Oh notre Dieu, nous besoin. Même Jean David, oh pour nous compter plein d'humilité. Seigneur, pour nous reconnaître. Laisse-nous pécher. Laisse-nous reconnaître quand nous tomber. Parce qu'on a force pour nous ramasser. Nous prenons au Seigneur, matin, parle avec nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Pas quitter nous une fourche là. Mais permettre que cet esprit qui habite dans nous. Permettre que cet esprit, Seigneur. Permettre que cet esprit qui guide la vie nous. Qui guide la vie nous, Seigneur. Dans la décision que nous prenons. Oh Seigneur, dans la façon que nous vivons. Dans la façon que nous agissons. Nous va ouer en dans nous. Au nom de Jésus, nous prions. Permettre que, Seigneur. Moun qui sorti entre là, découragé, va sortir encouragé. Ça, au Seigneur, qui rentre malade, va sortir soulagé. Parce que où là, les où là, tout bagage changé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je voulais remercier tout le monde qui a participé sous chair là dans l'adoration avec l'orange. Avec les hommes qui dirigent le dia. Donc je dis à ses frères Anol, aussi Anol qui va prêcher pour nous. And you know, if they give me the month off, I'll take it off. Amen. They give me the month off, so I'm going to sit and let him speak. And then you listen. Next Saturday, we're going to have a day of worship, journée de louange, journée d'adoration, journée d'action de grâce, journée de bénédiction qui est faite dans First Alliance Church at 3 p.m. We have that every year. Last year I was not part of it because I went to Bismarck. And this time I'm black. Donc, nous ne partons pas de lui tellement parce que moi-même avec Dr. Fred Williams, qui est le comité, nous tous deux, nous avons mouru, nous avons été descendus, Fred et Fred, qui mouru au Canada, moi et mon papa, qui est mort depuis 27 octobre. Donc, ça fait que le mouvement que nous avons fait pour nous régler, balancement, pas fait que nous réunis. Mais nous avons fait journée d'adoration encore, même. Amen. On a fait journée d'adoration, quand même journée de célébration pour Haïtiens venir mettre tête ensemble pour le baron du gloire. Parce que Haïti, dans un moment qui est très difficile, nous avons besoin de baron du gloire pour nous retirer de la donne. Est-ce que le gouvernement haïtien a retiré Haïti dans sa guerre? Est-ce que le gouvernement américain a retiré Haïti dans sa guerre? Et seul bon Dieu qui n'a pas. Donc samedi, si vous voulez, nous allons rencontrer à 3h dans First Alliance Church et Saturday the 16th. Expect le texte. From your cell phone, reminding you to be there at 3 p.m. so that we can celebrate God. We will celebrate here, Supremo Jay. So I'm sorry for translation today. I have to keep it brief that they gave me. Give me the month off. I'll take off and get ready to enjoy the message from our elder, Fernando. La paix de Dieu avec nous. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Nous bénissons bon Dieu matin. Hein? C'est ce que dit pour nous, possibilité pour nous capables un autre jour encore. Et c'est même Jean, texte a dit à chaque jour, suffit sa peine. Et les bon Dieu, il faut coucher, ou dormir, ou lever. Bah, il doit pour ça, parce que dans tout le monde qui a couché par le monde. Dans tout le monde qui a couché, dans l'hôpital, il aurait retrouvé. Mais bon Dieu, il fait nos faveurs, il fait nos grâces ce matin. Nous en avons présenté pour nous venir par les gloires au nœud que lui-même seul lui méritait. Et nous allons prier pour nous capables d'entrer dans le message. Ah non, on va essayer de nous prier, bon Dieu. À droite du Père Céleste. Papa, nous qui sommes dans le ciel,
de faveur, matin. Vous êtes capable d'utiliser nous, Seigneur. Parce que c'est vous-même, Seigneur, qui divine joie nous. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est chargé. Et nous-mêmes, nous fatigués, nous chargés. Et nous connaissons notre capacité de repos dans nous. Parce que c'est bon Dieu, ça, qui est tout, c'est bon Dieu de toute consolation. C'est bon Dieu de tout confort et confort. Après, mettre dans mon matin, utilisez-nous puissamment. Utilisez-nous puissamment, Seigneur. Peuple qui va attendre, Seigneur. Nous allons faire provision pour les gens qui le voulaient. Mais là, qu'ils utilisent eux-mêmes pour parler pour lui-même, son faveur, son grâce, parce que lui-même est capable de faire tout d'accord. Amen. Allons lire ensemble dans Genèse. On a fait trois lectures. Mais on va bien le faire qu'on est le verset pour l'argent, non? On va bien le faire. Mais je vais mettre dans le contexte, ça ne va pas aller. Parce que parle de texte, le texte de base que nous allons utiliser, c'est Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. Mais pour moi, tout dans le contexte, texte ça, on va regarder dans Genèse chapitre 17, verset 15 à 19. Genèse 21, verset 1 à 8, mais pas voir lire tout à l'heure. Genèse 17, verset 15 à 19. Pour nous garantir dans le contexte, message besoin de prêcher. Lorsqu'Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois éternel. J'établirai mon alliance. Non, c'est verset 15 pour lui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois du peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle. Et Abraham dit à Dieu, ô Israël, vive devant ta face. Bon Dieu dit à Abraham, c'est moi qui parle. Certainement, ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Israël. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et dans chapitre 21, verset 1 à 8, vous pouvez regarder, vous pouvez joindre. L'Éternel se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra de rire de moi. Elle ajouta, qui aurait dit, Abraham sera à l'état des enfants. Cependant, Dieu lui a enfanté un fils dans sa vieillesse. Mais je vais situer au côté que mon père Béchia dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. Le texte a dit après ces choses, ça, c'est le contexte, c'est ça, côté de 17 et 18 là. Après ces choses, où est toute péripétie que Sarah, pas de cas petit, Abraham qui est déjà fini âgé, et malgré mon Dieu fait une promesse ça dans le grand monde, et après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. À petite ça, que mon Dieu va Abraham dans le grand monde, non? Mon Dieu m'a mis à l'épreuve. Et lui dit Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice, en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac,
il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Or, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Et il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et qu'il ne veut pas refuser ton fils, ton aîné. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que l'Éternel ait béni cette portion de l'Écriture pour notre commune édification. Moi, je lis texte là, je lis mon texte, pour qu'après après ces choses, qui savent qui veut vivre. Et, sujet que j'ai aimé développer avec Mathieu, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Dans le texte que nous avons dit, on voit que, bon Dieu, il a éprouvé la sincérité d'Abraham. La peste éprouvée la sincérité d'Abraham, non seulement l'a éprouvé la sincérité d'Abraham, l'a éprouvé la loyauté d'Abraham envers lui-même. Et le fait que bon Dieu a éprouvé yon moun, c'est pas tentation lié. C'est pas tentation pour qui ça? Parce que bon Dieu voulait sonder que Abraham, parce que pour lui, qui côté Abraham y est ensemble avec lui. Nous connaissons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il dit clairement, dans Jacques chapitre 1, verset 13, bon Dieu pas tenté personne. Et pas de personne qui peut le tenter pour dire que c'est bon Dieu qui tente. Bon Dieu pas tenté personne. Et c'est, il dit dans Jacques que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et dans verset 7, verset 8 de Genèse 22, où est, il dit comme ça, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Matthieu Mabdou, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tête chargée qu'on l'a donné, bon Dieu y pourvoira. Ou pas besoin de connaître qui côté l'a sauté, ou pas besoin de connaître qui s'en va faire, mais on seul bagaille que nous connaissons, Dieu y pourvoira. Abraham batoué côté sacrifice la voile sauté. Isaac dit, papa, après 3 jours de marche, il a marché. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour nous, pour Abraham, font l'autre option, font l'autre idée. Parce qu'il a marché pendant 3 jours avec Isaac. Isaac, son jeune garçon, qui a 20 ans. Mais, Léa Isaac m'a dit, papa, mais du feu, mais bois, côté sacrifice là, côté ça nous va sacrifier là. Dieu, il pourvoira. Je connais dans quelle situation que vous êtes matin, Nabdou, Dieu, il pourvoira. Côté guérison absorti, Dieu, il pourvoira. Côté solution absorti, Dieu, il pourvoira. Et matin, nous allons voir 7 leçons dans le passage. Ça. Première leçon, c'est la leçon de l'obéissance. L'obéissance. Et dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 23, après la peuple Israël là te fini, sorti en Égypte, première opposition, premier peuple qui te décidé attaquer peuple Israël là, c'est les Amalécites. Et le peuple ça a commencé à attaquer Israël, bah Israël problème, laisse Saül vinoua. Bon Dieu mandé Saül pour lui capable de détruire peuple ça. Et l'elle pour faire bataille contre les Amalek,
Bon Dieu mandé peuple ça, bon Dieu mandé Saül pour le détruire, pas interdit tout ça qu'elle joigne dans pays ça. Mais qui ça qui passé? Saül détruit en pile bagaille dans ville ça, mais Saül kembe bœuf qui graillo, li kembe yo série de matériel que bon Dieu te dit pour lui pas pour pas kembe. Et qui ça qui passé? Le bon Dieu dit Samuel, allez ouais qui ça Saül fait? Les Samuel arrivé, lui ouais, lui demandé Saül pour qui ça ou kembe ça, il dit pour capable offrir sacrifice. Ou pas écouter, et bien ou vient tomber dans désobéissance. Et c'est ça que Samuel te dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et qui ça il dit encore? Il dit comme ça la désobéissance vaut mieux autant coupable que l'idolâtrie. L'obéissance, première leçon, hein, c'est la leçon de l'obéissance. Abraham t'a obéi avec bon Dieu. Dans chapitre 22, verset 2, 3, le bon Dieu parlait avec Abraham. Il dit, Abraham, lève-toi et prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va pour offrir un sacrifice. Abraham va réfléchir. L'homme marche avec bon Dieu. L'homme marche avec bon Dieu. Il faut qu'on toujours obéissant. L'obéissant, l'homme obéissant, l'homme docile, pour manger les meilleures productions du pays. L'homme obéissant, l'homme prêt pour faire concession, pour manger les meilleures productions du pays. Maintenant, est-ce que c'est la désobéissance qui a marché avec nous, ou bien est-ce que c'est l'obéissance qui a marché avec nous? Et grand chance à l'espérance qui dit obéis. Quoi? Obéir, quoi? C'est tout ça pour nous, quoi? Pour nous servir, mon Dieu, c'est obéir, quoi? Leçon de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bah, qu'on est dans la vie, pas nous. Nous plus, il y a une tendance pour nous désobéir que nous obéir. Nous voyons ça depuis dans la chaîne d'Éden. Bon Dieu, by Adam avec Ève, ils ont responsabilité pour qui responsabilité pour yo capable pas manger le fruit défendu, mais yo te choisi pour yo te désobéi. Lors choisi pour désobéir, quel que soit gens ça y a payé conséquence. Et conséquence désobéissance, c'est qui s'allie conséquence désobéissance, libre aller proportionnellement à désobéissance qu'on fait là. Bon Dieu te dit, vous ne pas manger fouillard, et puisque vous mangez fouillard, vous avez vu payer conséquence. Et bon Dieu te dit, Saül, pas prendre rien dans le pays Amalek. Et puisque Saül te prend, Saül et tout et bœuf graillot, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Samuel te dit, bon Dieu, rejetez-vous. Bon Dieu, rejetez-vous. Et malgré les bons dieux, dit bon Dieu, rejetez-le. Lui-même, il t'a choisi pour lui te kembe robe, prophète là. Prophète là, dit le Jean-Wé, rad la chire, c'est comme ça, bon Dieu, a déchiré le royaume. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas choisi pour te obéir. Abraham choisi pour obéir, mon Dieu, sans question, sans poser question. L'on a marché avec mon Dieu, ou a marché avec mon Dieu, par la vue. Ou pas marcher avec mon Dieu, pas ça, ou même on connaît. Ou pas marcher avec mon Dieu, parce que mon Dieu dit ou obéit, quoi. Première leçon, hein, c'est la leçon de l'obéissance. Et deuxième leçon qui gagne dans le texte là, c'est la foi. La foi, dans verset 4, verset 5. Sans hésitation, sans retard, Abraham levé pour voyager trois jours ça. Dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, lorsque mon Dieu te voit les hommes commencer à multiplier sur la terre, et que tout esprit, tout cœur, yo te pensé uniquement vers le mal, mon Dieu te décidé pour te détruire la terre. Les bon Dieu te décidé pour détruire la terre, littéré le Noé, il dit Noé, ma baou pour fond lâche, pour même pour qu'à sauver avec petit tout, avec madame. Et laisse ça, la pluie pour qu'on tombe sur la terre. Et bon Dieu dit, il pourra détruire la terre avec la pluie. Qui ça Noé fait sans poser question? Noé était quoi dans sa papa, dans sa bon Dieu dit là, là il fait lâche ça. Et bien Abraham, sans poser question, il quoi?
dans sa papa, dans sa bon Dieu dit là, et puis lui déplacer pour lui-même l'aller dans nos pays côté lui-même n'y pas connaît. Yo na nous connaît la Bible. Non, le thème central de la Bible, c'est le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit comme ça, c'est par la foi nous sommes sauvés par la grâce et nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Personne pas qu'à approcher beaucoup de bon Dieu sans la foi. Et la foi c'est élément essentiel pour nous capables de joindre mon Dieu. Et sans la foi, il est impossible pour nous agréables à mon Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire sans la foi, nous ne pas gagner rien que nous qu'a fait sans mon Dieu. Parce que c'est la foi qui a mené nous bon côté mon Dieu. Et nous connaissons dans Hébreux chapitre 11. Nous considérons le texte comme les héros de la foi. Dans les héros de la foi, nous joignons tout héros, nous joignons Abraham, nous joignons Noé, nous joignons Abel. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il part sans savoir où il allait. La foi, c'est confiance dans la fidélité de bon Dieu. La foi, c'est conviction que ce que sa bon Dieu déclaré à livrer et que ça le promet là, l'a pas accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Ça veut dire la foi dans Abraham t'a gagné. Non, bon Dieu, pas de bali moyen du tout pour t'a aucun doute. Bah, connaît, est-ce que ou même la foi pour là, son foi qui a vacillé, qui a monté des sons, qui a monté des sons, jodi a ou avec. Bon Dieu, vous connaissez des chrétiens, si ce sont des chrétiens, et jodi a ou avec bon Dieu, laisse à bon, demain yo pas avec bon Dieu, laisse à pas bon, yo pas avec bon Dieu, pour qui ça? Parce que yo pensez que la foi qui est rien dans bon Dieu, a, c'est laisse à bon là, non. La foi, quel que soit ça qui nous arrive, la foi dans bon Dieu, lui fait pour être intact. La foi dans mon Dieu n'est pas conditionnée avec les événements de la vie. La foi dans mon Dieu est faite pour être comme si ou toujours solide. Mais ce que le vent a vanté, l'orage a grondé, mon ou était toujours quoi dans mon Dieu parce que mon Dieu n'est pas changé. Mon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que ta bouche a dit, il l'accomplira et puis il a même puissance, même autorité. Abraham. T'es resté sous pied avec la foi parce qu'elle te connaît que bon Dieu lui saldit là la fête. Et dit Abraham, c'est le premier monde qui prêchait la résurrection dans la Bible. Elle dit, monsieur, mais côté m'bralia. Après 3 jours de marche, il dit, monsieur, arrêtez là, tant moins là. Mais côté m'bralia. M'bralia avec jeune garçon, hein? M'bralia adoré. Et puis qui saldit? N'a tourné. Pas oublié, non, bon Dieu dit, allons fuir ça en sacrifice. Il dit, monsieur, arrêtez tant de moi là. M'bralé, m'a tourné. Qui j'en fait qu'on est là, tourné. Parce qu'il croit que ça, bon Dieu dit. Bon Dieu te dit comme ça, la balle en petit. Et bon Dieu dit, Abraham, le temps a privé sous Abraham. Abraham dit, Seigneur, même m'bralé sans petit, oui. M'bralé sans petit. L'Éternel dit non, ou pas bralé sans petit. Et Abraham dit, mais c'est Eliezer de Damas, c'est lui-même qui a vu l'héritier Sambayo. Il dit non. Petit là, c'est dans où on l'a sauté. Et puis il prend Abraham, il saute de yon avec Abraham. Il dit, Abraham, gardez toute étoile qui est dans le ciel. Yo. Est-ce qu'on peut compter yo? Ou pas compter yo? Si on peut compter yo, c'est comme ça, héritage ou à pied. Et les petits a vu une fête. Bon Dieu choisi pour l'allemander lui en sacrifice. Il y a un seul des bagailles qui n'a pas aucune rationalité là. Pas aucune rationalité. Et c'est pas irrationnel. C'est ça qui fait grand pile monde qui a mouru dans péché, grand pile monde qui pas sauvé parce que yo pas qu'à prendre l'évangile. Parce que l'évangile, pour accepter l'évangile, il faut accepter le par la foi. Pour accepter le par la foi. Il n'y a pas aucun sens. Si c'est moi-même avec aujourd'hui, on t'a dit, ah, bon Dieu, il y a un problème. Hein, on t'a dit, ah, bon problème, oui, bon, ça, m'a pas quoi, bon Dieu, bien réfléchi ça, amen.
Ma quoi bon Dieu réfléchit ça parce que m'pa ka gon petit à 100 ans mon petit bon Dieu dit m'la bon mon petit bon Dieu fin bon petit ça dans grand monde et puis bon Dieu mande m pour mal offrir le sacrifice pas y a personne qui t'a fait là pas y a personne qui t'a fait et malgré Abraham sur route après 3 jours de marche il va poser ta petite question dit est-ce que c'est ça bon Dieu dit l'a pas avancé et bien m'a quitté m'a dou comme ça avec bon Dieu pour toujours avancer qu'il t'en bon avancer qu'il t'en pas bon avancer quel que soit ça ouais avancer parce que bon Dieu lui-même il pas fait erreur ça il doit la faire la faire ou pas besoin peur c'est ça que fait gagner dame Hélène Anne Castellin il dit comme ça je pars sans savoir où je vais m'bâti sans pas connaître côté m'braler m'préférer m'ta veut camper oui si m'étais capable mais je préfère marcher avec Dieu dans la nuit que de marcher seul en plein jour je préfère marcher par la foi avec lui que de marcher seul par la vue. M'ta camper si m'te gagne pouvoir pour m'te camper. Même puisque me fait bon Dieu confiance, m'a marcher avec lui dans le soleil, dans le feu noir. Quel que soit ça qui arrive, nous va content parce que c'est bon Dieu qui c'est volant. Les bon Dieu sous volant, pas qu'a gagne accident. Pas qu'a gagne accident, pas qu'a gagne tête chargée et la vie chrétien li conditionné par la foi chrétien avec le bon Dieu. M'a rappelé que l'aime des jeunes petits garçons, l'aime l'école Haïti. Ne m'a marcher, m'a aller dans lycée fumé à pied. M'a l'aime saute l'école, m'a tourner à pied. Gon seul bagaille qui toujours motivé m'. Toujours connaît que bon Dieu pas quitter bagaille ou été comme ça. Bon Dieu pas quitter ou été comme ça. Bon Dieu a fait route pour moi. Bon Dieu a fait chemin pour moi et bon Dieu fait route côté pas gain route, il fait chemin côté pas gain chemin. La foi en bon Dieu fait pour être intact. Pour être quel que soit ça bon, restez avec mon Dieu. Quel que soit ça pas bon, restez avec mon Dieu. C'est ça que fait David dit dans le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Louange, mon Dieu, fait toujours dans ma bouche. Quitte ça bon, quitte ça pas bon. C'est ça que là, on va garder un chrétien. On va comprendre vie chrétienne. Vie chrétienne, on va comprendre. Là où est mon nom en difficulté, où est la joie. Là mon nan a problème ou elle a continué chanter pour qui ça parce qu'elle gagne bon Dieu en dedans puisqu'elle gagne l'esprit de Dieu en dedans l'esprit de Dieu ça a banni la crainte l'esprit de Dieu ça a banni problème l'esprit de Dieu ça a gagné li bon victoire m'a pensé aussi maintenant depuis les papa passé David mourir hein? Parce que me passé dans pour ça déjà les papa mourir tout de ça au casé et puis les l'amour a fini fête. Je me sens pas même mon encore. Vous connaissez même mon bagage. Je passe la vie là. Ça qui est là, c'est dernier réserve là. C'est dernier réserve là, oui, qui est réserve, bon Dieu, mettez en dedans, non, c'est lui qui est. Parce que c'est un monde qui cher à lui-même qui mourit. Je ne vais pas mourir, moi-même, sentir mal et net. Pourquoi faire expérience sans moi? L'on fait expérience sans moi, c'est l'on pas pour. C'est là où il y a maman. Moun qui prend avec ou même qui allait laisser ça où est la vie finie. Où est la vie finie? Dernière réserve qu'on gagne dedans là. Dernière réserve là où on couche sous cabane de l'hôpital là. C'est lui qui a prêté l'Éternel les armées. C'est lui même qui a bonne force pour capable kembe. C'est lui même qui a bonne force pour capable résister à un moment difficile ça. Mais Abraham, lui même il était kembe la foi dans mon Dieu. Ou même tout besoin qu'embé la foi dans mon Dieu car c'est la foi dans mon Dieu qu'a fort avancer avec lui ou pas qu'a avancer sans mon Dieu sans la foi ou pas qu'a avancer dans mon Dieu sans pas croire dans mon Dieu parce que ou plutôt marcher avec mon Dieu dans nuit ou gagne pas rien mais continuer marcher avec mon Dieu parce que la menon à bon port. Troisième bagaille là c'est la fidélité de Dieu la fidélité bon Dieu est fidèle bon Dieu est fidèle bon Dieu est fidèle ça le doula la fait ou mettre un jour à passer. Ou être année a passé, moment a passé, mais ça doula la fèl, rete compté sous bon Dieu. Pas jamais perdu confiance dans mon Dieu. Pas jamais quitter et difficulté, faut perdre confiance dans mon Dieu. Bon Dieu ali là et la bonne victoire. La bonne victoire parce que c'est lui-même qui compte la victoire. Dans Rochan, dans 43 mélodie dans la mélodie joyeuse qui dit comme ça grande fidélité ô Dieu mon père. Chez toi nulle trace de changement. Tu as pourvu à mes besoins. Chaque jour, à mes besoins. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Bon Dieu, il est fidèle.
et Abraham. Vous connaissez dans l'attribut bon Dieu, yo, puisque c'est bon Dieu créé nous-mêmes l'homme, dans tout l'attribut bon Dieu, bon Dieu bat nous un peu là-dedans. Bon Dieu bat nous tout attribut ça. Dieu a les fidèles, l'homme n'a tout le fidèle, mais il n'est pas dans même niveau avec fidélité par bon Dieu. Bon Dieu partage attribut avec nous-mêmes. Abraham était fidèle à la mission que bon Dieu a liée. Il dit comme ça, allez présenter Isaac ban moi en sacrifice. Mais côté sacrifice ça, côté holocauste ça, pour sacrifice ça, Dieu y pourvoira. Matin Abdou, Dieu y pourvoira. Bon Dieu a fait provision. Ou pas besoin de votre provision a sauté. Ou pas besoin de qui j'en a fait. Même seul bagaille qui me connaît, Dieu y pourvoira. Et troisième bagaille, quatrième bagaille là, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il est souverain, il fait tout ça. Tout ça. Il a le pouvoir sur toute création, sur tout le monde, sur la terre. C'est ça que Adonai, l'on dit Adonai, c'est le Dieu souverain. Et dans Job chapitre 42, verset 2, et Job dit comme ça, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à vous-même. Parce que ça, on décide de faire, ou à faire. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, et verset 7, il dit comme ça, l'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Si c'est vous qui avez monté tête, vous pouvez descendre. Si c'est vous qui avez fait effort pour faire un bagage, vous pouvez descendre. Mais quittez bon Dieu monter. Quittez bon Dieu monter. Les bon Dieu monter, il monte net. Personne ne va descendre. Personne ne peut camper devant ça, bon Dieu décidé. Si les hommes te qu'à empêcher l'homme, on bagaille, ou pas t'as jamais rien. Parce que les hommes, li créé avec jalousie dans cœur pour pas voir quoi ou monter. Mais puisque le bon Dieu, il besoin, ou li dit ou la monter avec ou, li pas cabaré ou, l'homme pas cabaré ou. L'homme pas cabaré ou. Pour qui ça, l'homme pas cabaré ou, parce que c'est bon Dieu qui décide. Les jours pour l'arrivée, pour bon Dieu faire ça, pour le faire, pour voir, quelque soit sacrifié, la fête. L'homme pas cabaré, parce que c'est bon Dieu qui décide, le temps arrivé. Et les l'homme n'a campé en face ou, pour l'empêcher ça, bon Dieu décide d'arriver, bon Dieu a passé sous lui. Parce que bon Dieu décide, la souveraineté, bon Dieu décide. Mathieu Abdou, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Côté bélier pour sacrifice ça, m'bawel. Côté solution problème nan absoti, m'bawel. Côté qui j'aime à faire pour me sortir dans la situation mia, m'bawel. Mais on seul bagaille qui nous connaît, Dieu y pourvoira. Et cinquième bagaille là, c'est la sincérité d'Abraham. La sincérité d'Abraham. Dans le texte, l'on analyse le texte bien, on voit la sincérité d'Abraham. Abraham est sincère dans la décision. Non. Abraham, comme si, lui dit, lui a envie de faire, et puis il n'a pas envie de faire. Non. Dans Psaume 139, le psalmiste dit comme ça, tu me sens et tu me connais. Ou connais qu'il aime Chita, ou connais qu'il aime camper. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà entièrement, tu la connais. Bon Dieu qu'on aime. Bon Dieu qu'on aime. Nous pas qu'à tromper. Et nous connaît caille couler, tromper soleil, mais pas qu'à tromper la pluie. Quel que soit Jésaïe, la pluie a passé. Non, tout qui gagne en fait, tout là, pour l'ancien dans caille là. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Abraham était sincère. Et dans la sincérité, Abraham de gagnant. Bon Dieu, puisqu'il partageait attribut qu'il gagne avec les hommes, ou même ou de sincère dans l'activité avec bon Dieu, ou de sincère dans la façon que vous avez servi bon Dieu, ou de sincère dans ça que vous avez fait. Parfois, mon nom, il pas parler, ça le dit, ou qu'a fort dit, ça le dit, ou qu'a parler, ça le dit, mais ça le dit dans le cœur, mais on connaît. Faut nous sincère. La sincérité d'Abraham te permet qu'il puisse aller offrir Isaac parce qu'il connaît ça que bon Dieu dit là. Bon Dieu, pape, j'aime quitter sa fête. Puisqu'elle a déjà dit, monsieur, autant de moi là, dans pied moi, non. M'a venu, m'a tourné avec petit garçon. Hein. Il connaît que bon Dieu, pas tape, j'aime quitter là, offrir Isaac. Mais il va avoir moyen, non? Il va avoir moyen.
Simplement le dire. Vous n'avez pas besoin de moyens, non? La foi commence, qui côté la foi commence? La foi commence, elle est tout ça possible, camper. Elle est tout ça possible, camper. Parce que la foi pas rationnelle. Pas de rationalité dans la foi. Rationalité, c'est l'ordre de 1 plus 1 la bordée. Mais la foi, elle n'est pas là ça. La foi n'est pas la donne. La foi, c'est là que ou même ou quoi que bagaille a fait, mon parle qui côté la sorti. Ou parle qui côté la sorti, mais puisque vous avez un bon Dieu, qui dit comme ça, la marche avec vous, mon pas besoin de paix, côté la vérité avec quoi? La privée. La privée. On aurait été quoi que mon Dieu lui-même la privée ensemble avec nous. La sincérité d'Abraham. Et sixièmement, c'est la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît toute bagarre. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 5, il dit comme ça. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant même conception petite là, tu es en fait là. Bon Dieu, t'es guettant, planifié qui ça quoi le fait. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, lui sonde les cœurs, lui sonde les reins, lui connaît tout ça qu'a fait. Les bon Dieu décide pour le fond bagaille. Quel que soit Jean ça, il a fait, oui. Quel que soit Jean ça, il a fait. Là, ouais, non, dans le calendrier eschatologique, bon Dieu. Le temps arrivé pour mon bagaille accompli. Bon Dieu a fait tout, mettez tout le monde en branle. Pour que ça le besoin l'y accompli. Pour qui ça? Parce que l'y décide pour le fait, n'entend pas là. C'est ça qui fait que des bagailles qu'on a besoin dans le bon Dieu. Ou pas qu'à joindre yo. Parce qu'il peut arriver, n'entend pas bon Dieu. Bon Dieu, il t'en parle pour le fait. C'est en son temps. Chaque chose en son temps. Faut qu'il t'en temps bon Dieu. C'est pas temps pour là. Bon Dieu pas agi avec, même genre avec l'homme agi, mais bon Dieu agit en son temps. T'en temps bon Dieu. Parce que bon Dieu, il a préscience, il connaît qui ça qui est bon pour vous. Il connaît ça qui n'est pas bon pour vous. Ça qui est bon pour vous, il connaît. Et c'est le ça qui est bon pour vous, il est arrivé pour le bon Dieu, baoul, la baoul. Et septième bagaille là, c'est la bénédiction. La bénédiction. Vous connaissez, après toute tête chargée, après toute difficulté, mais quand même, après mauvais temps, qui ça qui vient? Après mauvais temps, il y a bon temps. Et puisque bon Dieu te voyé, Abraham allait mettre petite là, al bal petite là, et pour le faire sacrifice, après toute tribulation ça yo, eh bien, il y a bon temps qui a fini. Bon temps qui a fini. Eh bien, qui s'arrive, bon temps, c'est en regardant verset 15 encore. Verset 15 à 18. Nous avons bon temps. Regardez verset 15 à 18. Genèse 22. Genèse 22, verset 15 à 18. Nous voilà le bon temps. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure, par moi-même. Parce qu'il y a un bon temps quand même. Bon Dieu te voyait Abraham aller offrir Isaac. En sacrifice. Pour qui ça? On petit tout bon moi à 100 ans. Sarah lui-même te dit comme ça, est-ce qu'elle a fait petit dans l'âge qu'elle y a? Et puis pour moi, demander un sacrifice. Il y a des gens qui t'ont dit là, bon Dieu, dit tête. Mais dans verset 15 à 18, là, il dit l'ange de l'Éternel, après toute péripétie, ça, après toute route, ça, bon Dieu finit faire avec Abraham. Et puis, il voit que Abraham répond, Abraham passe test là. Il dit l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit je le jure par moi-même. Je le jure. Pas moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et puis qui ça le dit comme ça? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as, qui ça? Tu as obéi à ma voix. Tu as obéi
à ma voix. L'obéissance, la foi manger les meilleures productions du pays. La foi, la marcher avec vous jusqu'à ce que vous finissiez sous la terre. Ça. Pas gagnant qu'à faire sans la foi. C'est ça que fait Paul répéter parole et prophète Habakkuk te dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 4. Et puis Paul dit comme ça dans Romains chapitre 1, verset 16. Et il dit comme ça, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que moi-même avec vous, nous vivons. Les nous se lever le matin, nous prions, bon Dieu. C'est par la foi lié. Les nous prenons machine, nous sortons, nous mettons bon Dieu devant. Nous croyons que bon Dieu a mené nous à bon port. Nous croyons que bon Dieu a mené nous tourner la caille. Les David dit dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il dit comme ça, l'Éternel a gardé des pas et puis il a gardé arriver. C'est parce que bon Dieu a gardé des pas, c'est parce que bon Dieu a gardé arriver qu'il faut là toujours. Il y a une expédition qui fait derrière. Il va pas jouer nous. Pour qui ça? Parce que vous cachez dans le sang de l'agneau, vous cachez, vous baignez avec le sang de Jésus. Les orelots, c'est Jésus qui paraît parce que c'est lui qui représente. C'est lui qui représente. Puisque c'est que lui même qui représente. Et bien, les orelots, vous cherchez, vous ne pouvez pas jouer nous. Parce que vous même, vous sont l'autre monde, ou même, vous venez au monde qui blende. Même les orelots tirés sur vous, vous ne pouvez pas jouer nous parce que vous cachez avec le sang de Jésus. Abraham, tu crois dans bon Dieu. Et croyance dans bon Dieu, tu fais bon Dieu justifier, tu fais bon Dieu déclarer qu'il est juste. Nous dit que premier leçon 1, c'est leçon de obéissance. Deuxième leçon 1, c'est qui s'allie la foi. Troisième leçon 1, c'est qui s'allie la fidélité de Dieu. Quatrième leçon 1, c'est qui s'allie la souveraineté de Dieu. Et cinquième, non, c'est qui s'allie la sincérité de Dieu. Et sixième, non, c'est qui s'allie la préscience de Dieu. Et septième, non, c'est qui s'allie la bénédiction. Puisque Abraham t'a accepté, il était quel. Et puis bon Dieu dit, mon cher, puisque vous faites, venez, bon et fidèle serviteur. C'est même récompense sans ça. Et bon Dieu a préparé pour nous. L'elle est arrivée pour que nous fermions sous terre ça. Quel que soit Jean, vous voulez la fermer quand même. Ou vous êtes d'accord ou pas d'accord, la fermer. Vous comprenez? Et vous n'avez pas besoin de forcer pour mourir. Vous comprenez? Vous n'avez même forcer pour mourir, faire effort. Vous n'avez même fait tout le bagage ça. Pour les arriver, vous allez mourir quand même. Parce que vous plan en fait, déjà, vous mourir. Son seul bagage, préparez-vous pour que mon Dieu capable de dire comme, venez, bon et fidèle serviteur. Même Jean, ça m'a préparé pour vous. Venez à la donne. C'est ça, lié, oui. Vous n'avez pas encore qu'à faire. C'est juste que tu es tendre, mon Dieu. Le soleil a gagné pour le coucher quand même. C'est ça qu'elle dit comme ça. Grand chant qui dit ça, oui. Avant le soleil a couché. Avant le soleil a couché. Parce qu'il a couché quand même. Qui t'ouvre l'île, qui t'ouvre pas l'île, qui t'ouvre des cobs, ou t'es pas de cobs, qui t'ouvre des malheureux, ou pas de malheureux, quelques agents ça y est, l'a couché. Et c'est celle lui-même qui mettait l'homme égal. Quel que soit l'ien y a, ou égal avec moi, devant la mort. Pas une bagadine bralé, l'autre la bagadine bralé. Gagne bénédiction, l'obéi bon Dieu. Gagne bénédiction, l'obéi marcher avec bon Dieu. Souhaite pas pour nous matin, hein? Fais effort nous pour nous capables de continuer à marcher avec bon Dieu. Fais effort nous pour nous capables de les bon Dieu parler, pour nous écouter. Les bon Dieu parler, pour nous attendre. Bon Dieu, les bon Dieu fait attribut que bon Dieu gagne. Bon Dieu, partagez avec nous. Eh bien, c'est pour nous-mêmes tout, pour nous capables de partager, pour nous capables de kembe. Le bon Dieu, bah, attribue ça. Il dit, ok, l'homme nan li, il y a un auteur qui dit comme ça. Vous so dit, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Mais non, l'homme est bon. Et le bon Dieu lui-même, lui mettait l'esprit dans l'homme. Et l'homme toujours a marché avec bon Dieu. Quel que soit Jean Sahel, l'homme a marché avec bon Dieu. Parce que bon Dieu gagne l'esprit dans l'homme. Les où convertis, ou vin gagner l'esprit de Dieu qui a dirigé. Mais le monde qui va convertir à tout, bon Dieu gagne pouvoir en donne, oui. Parce que c'est bon Dieu qui fait lui. Bon Dieu qui a autorité sous lui. C'est ça que fait dit ça dans le psaume 100. Dans le psaume 100, il dit comme ça, c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a fait
et nous lui appartenons. Et nous sommes l'ouvrage de son peuple. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu aide. Que bon Dieu fasse grâce pour qu'on rester dans la foi. Rester dans la foi. Je préfère marcher avec Dieu dans la nuit au lieu que m'a marché en plein jour. Je préfère marcher avec mon Dieu dans la nuit. Là. Même si je ne pas, ouais, quand je suis allé, même quand je suis privé à mon port, parce que mon Dieu, quand il dit, il a mené quand même. Au lieu que pour m'accepter, marcher par la vue avec l'homme, on a marché avec mon Dieu. On a continué à rester avec mon Dieu. On a fidèle avec mon Dieu. On a été obéissant. Car si on est obéissant, on a mangé la meilleure production du pays. Que mon Dieu bénisse. Sous besoin de prière pour avancer pendant que ministre a pas approché pour prier sous besoin de prière camper sous pied pendant que nous allons terminer on va chanter Dieu tout puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir le ciel d'azur. Les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout le le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève chant. Son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur son amour, oh, je veux
Parce que dans le nom de Jésus, on va toucher nos cognats, on va toucher cœur nos cognats, on va toucher l'âme nos cognats, on va toucher l'esprit nos cognats. Et quelle que soit maladie, dans le tout puissant nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons au nom de Jésus, esprit maladie, ça tombe cognats au nom de Jésus. Merci Seigneur pour Pasteur David Fossin, Madame Nifoyeli. Merci pour BLBF. Merci, nous pas demandé au local encore, Père de gloire. Mais nous avons merci parce qu'au nom de Jésus, nous avons un caïnon. Au nom de Jésus, le conseil en 2020, nous avons dit nous la caïnon. Merci, Père Saint. Nous avons déjà spirituellement. Père de gloire, nous disons merci pour journée ça. Nous déjà passons bien dans le nom de Jésus. Merci pour présence sur toujours la caïnon. Merci pour couverture dans la nuit pour la journée. Merci parce que toujours amène nous avec épée ciel là. Merci parce que fait nous terribles dans le domicile dans le clair. Merci parce qu'au nom de Jésus, aucune maladie ne doit sur nous. Merci parce qu'au nom de Jésus, aucune douleur pas de pouvoir sur la vie. Non. Merci parce qu'au nom de Jésus, aucun lament avant l'heure pas de pouvoir sur nous. Merci parce qu'aucun accident pas de pouvoir sur nous. Merci Père Saint parce qu'on toujours contrôle la machine. Non. On toujours contrôle la rue pour nous. Merci Père de gloire parce que nous déjà inscrits dans le cahier ciel là. Et merci Père parce que chaque fraction de seconde, vous foncez dans nous davantage dans le cahier ciel là. Et merci Père Saint parce qu'on remplit nous avec amour. Que onction qui sortit directement dans haut, remplis-nous, qu'on y a même au nom de Jésus. Que sang qui découle pour nous, lave nous, nous purifie-nous, sanctifie-nous. Parce qu'on dit la parole, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Père de gloire, nous disons merci pour présence qu'il a. Merci pour force, pour vigueur, pour pouvoir, puissance, autorité, mettez en dans Pasteur David, pour le camper dans le funérail. Parce qu'on n'est pas capable pour col avec propre force pâle. Mais Père Saint, permettre par onction qui est en dedans et qui c'est la puissance du Saint-Esprit pour permettre de camper de régler tout à fait. Moi-même, moi connais ça la vie parce que Père de gloire, chaque jour, ma belle, nous sortons ensemble. Parfois, il va même guetter pour le manger, pour le boire d'eau. Mais Père de gloire, permettre, ou bal force, ou faire le camper. Père, c'est nous, on dans le nom de Jésus. Béni ministère ça. Et moi, déclarer dans le nom de Jésus, comme on dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bouche, gampille pouvoir. Moi, déclarer dans le nom de Jésus. C'est pour BLBF, une référence mondiale. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Moi, déclarer dans le nom de Jésus. C'est pour douleur cap ou un jour là. Douleur cap et merdo là. Quand pécho dormir. Quand pécho gain joie l'éternel là sous cœur là. Moi, déclarer qu'on y a au nom de Jésus. C'est pour du feu celle là brûler. Moi, déclarer dans le nom de Jésus. Esprit familial. Mauvais esprit familial. Racial, générationnel, quand pécho servi bon Dieu. Moi déclare qu'on y a au nom de Jésus, c'est pour Dieu faire l'anéantil. Et moi déclare dans le nom de Jésus, c'est pour présence Saint-Esprit, rempli kay ou envahi chaque monde qui dans kay là. Au nom de Jésus, à cause de problème la vie, bill en pile fois ou pas songer prier, en pile fois ou sorti, c'est pas faute ou gen volonté pour prier, mais bill fait être tout chaud ou gen trop dette. Moi déclare dans le nom de Jésus, Dieu y pourvoira. Père Saint, moi déclarer dans le nom de Jésus sur chaque monde qui l'a. C'est pour kembe chaque monde qui l'a dans l'évangile. C'est pour chaque monde qui l'a au nom de Jésus. Diab a fait fil la langue. C'est pour eux même faire diab fil la langue qu'on y a au nom de Jésus. Et moi déclarer
C'est pour Saint-Esprit, mon Dieu, remplir chaque monde qui est là, dans dormir qu'on a jeté. C'est pour nous puissance sur tout esprit de nuit qui vient merder nous, qui vient peser nous dans dormir, qui vient plein langue nous, faire langue nous, plein bouche nous. Au nom de Jésus, c'est pour nous bannir nos pouvoirs. Remplis nous avec épée, ciel là. Mettez épée, ciel là, dans main nous avec du feu, ciel là, les deux bords. Pour nous chaque quel que soit esprit qui vient merder nous dans dormir. Esprit raseur, je commande au nom de Jésus. Esprit maladie, je chasse au nom de Jésus. Esprit l'amour avant l'heure, je commande au nom de Jésus. Esprit accident, je chasse au nom, plonge dans l'abîme au nom de Jésus. On dit alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce que vous faites pour moi déjà. Merci pour ce que vous faites pour moi actuellement. Et merci pour ce que vous continuez à faire pour moi. Batman nous dit toute gloire, c'est pour Seigneur. Bonne semaine dans le Seigneur. La paix, bonjour avec nous.